C'est quoi la suite? Ça te passe un niveau. Ah! Ah, un voire deux, hein. Parce que t'as récupéré tes armes depuis le début, ça. Non, mais on a gagné pas mal là. On est plus les. Ah non, non. Plus ça. Je pense pas qu'il y a assez en vrai. Il y a quoi, il y a 20 000? 15 000 maintenant? Non, il y a pas assez, il va me manquer. Pas beaucoup, mais il va me manquer. C'est quoi, c'est 111 000 pour passer un avion? 120 000, 120 000 et je suis à 100, je suis à 104 000. Il manque Après, ici, il y a 7 000. un truc. Où ça? Oh. Est-ce qu'il y a quelqu'un? On va où du coup? Il y a un feu de camp là, tiens. À la base, on était là pour buter un boss caché, tu m'as dit. Oui, mais il se trouve qu'il y avait celui-là sur notre chemin. D'accord. Regarde, je trouve un feu de camp. Oui, j'arrive, j'arrive. C'est important de le prendre parce que tu vois, comme ça on n'a pas à descendre l'escalier. Oui. T'imagines un monde où il faut descendre un escalier, quoi. Moi, je vais être comme Jean-Marie Le Pen, hein, genre un ascenseur à vieux partout. On passe pas par là. Du coup, ça sert à rien cet endroit. C'est dans l'autre sens en fait. On est arrivé du mauvais côté? En fait, je l'envers en fait depuis le début, t'as pas compris. Oh merde. Et le premier boss, du coup, c'est le légionnaire de Roderick. Oui, c'est le boss de fin en fait. Il est déjà mort, du coup, bah là on erre sans but. D'accord. On vagabonde. Aïe! C'est pas là. Oui, je suis attaqué, donc je vais pas passer. Et je vais mourir en le tabassant, je veux dire. Mais je vais vraiment mourir en fait. Bah tue le plus. Mais c'est pas lui le problème, c'est l'autre. C'est rien du tout qui se raconte. Mais quand ils sont deux sur toi, c'est pas aussi facile que ça. Ah, il y a un chien. Ah, il est solide. Des éclairs, lui. C'est quoi ce bruit? C'est quoi ce bruit ignoble là? Mais non, mais oui, je sais, mais. C'est quoi le bruit qu'il y avait? Quel bruit? T'avais pas entendu le bruit? Imite le bruit. T'as un dentiste chez toi? Non. Non, y'a rien. Y'a un dragon là, paf. Y'a rien là-bas. Tu sais, c'est un piège à con, c'est pour que les cons ils aillent voir là-bas. Qu'est-ce que pour arriver dans ce sens en toi, qu'est-ce que t'as fait? Mais t'es arrivé, t'es allé voir là-bas. Bah, fais mal. Attends, là c'est la suite. Mais c'est pas là qu'on va aller? Qui va.
une classe électrifiée. Tous les trucs comme ça que j'ai jamais trouvé, je les ai tous vendus. Moi je peux pas l'utiliser à cause de mon truc qui est déjà magique. Ah genre tu as l'arme magique, tu veux pas l'utiliser? Bah oui, elle est déjà imbibée. Ça c'est nul. Mais du coup les armes pas magiques elles sont beaucoup plus fortes en fait. Oh une pierre de force. Non. Bah si, parce que genre elles ont des dégâts plus hauts de base, parce qu'elles ont pas de bonus de dégâts bonus. Mais du coup si tu leur mets des dégâts bonus en plus, elles sont plus fortes que les armes qui ont non, déjà des bonus. C'est pas comme ça que ça marche. Pourquoi c'est pas comme ça, ça Parce que sinon genre ce que t'as pourrait pas être le plus fort du jeu. Or c'est l'arme la plus forte du jeu. Ouais. Regarde, ça refait le bruit là, tu entends pas? C'est toi le bruit. Tiens, ah c'est ça là! C'est les attaques à distance du mec qui sont électrifiés qui font ce bruit de merde. Du coup c'est moi qui l'utilise j'imagine. Ça, en plus c'est un ascenseur hein. En plus il m'attend pas. Je peux parer à toute éventualité. Je peux même pas parer avec mon arme. Ah, je vais peut-être passer un level en fait. Et non, il me manque 1000 âmes. 1200 âmes. Ah non, tu as un truc. Tu peux venir m'aider un jour ou pas? Attends. Là, ça continue plus loin que je pensais. On aurait dû aller en bas. Du coup, on va en bas? Ouais, maintenant qu'on est là, on continue un peu. Mais... Ok. Ah oui, j'avoue. Go. Mais du coup pour accéder à cette zone, faut forcément passer par la lame pierre. Ou c'est juste un raccourci? Parce que j'ai l'impression que c'est juste un raccourci hein. Même pas mort. Comment je sors de là maintenant? Non, je crois pas. Ça c'est doré, ça veut dire quoi doré? Ça veut dire loot légendaire?
Il y a un dragon là, non? Ah oui, il y a un dragon. Oh, nice. Il est parti le dragon? Oui, il est parti. Non, attends là. Ok. D'accord. Étrange. Faisons demi-tour. C'est tout ce qu'il y avait ici, il y avait rien d'autre. Il n'y avait pas des loutons en haut là? Est-ce qu'il y avait des loutons? Il y a un dragon là-haut. Ouais, un truc. Il y a un dragon là qui dort. Mais fouille à paix, il dort. Ouais, mais il n'y a pas des loutons derrière lui? Non, juste il dort. Bah oui, il y a des loots quand même derrière lui. Oh, on peut pas utiliser le poney ici. T'es passé où? Je sais pas où t'es. Hein. Du coup, je sais pas où faut que j'aille. Tu voulais pas retourner dans l'ascenseur. Bah oui, mais tu voulais. Justement, tu vas où là? T'es où là? Bah dans l'ascenseur. Bah non, j'y suis. Bah une seconde, j'arrive. Du coup, tu y es pas. Mais bientôt. C'est une question de temporalité. C'est moi, des fois, quand tu dis on s'en va, je regarde où est-ce que t'es sur mon radar. Et pas sur la map, juste sur mon radar. Et je me dirige vers là. Mais si t'es pas à la sortie, bah moi je me dirige pas à la sortie. Hein. Et je suis obligé de réfléchir avec ma tête pour savoir où je dois aller. Ça il faut jamais faire. Bah tu m'y obliges des fois. Tu vois là tu t'en vas je sais pas où, je sais pas comment. J'ai juste foncé tout droit jusqu'à ton point sans réfléchir. Il y a un loot là-bas. Il sert à rien. Oh, c'est un piège, c'est un piège. Oh putain, en plus je vais respawn devant l'ascenseur. Je suis tellement content quand tu as trouvé ce loot en plus. Vraiment, ça vaut le coup. Et pourquoi il m'agresse lui hein? Et pourquoi il m'agresse eux? Ils sont sérieux hein? Tu laisses pas distraire, prends ce loot. Mais j'ai pas encore pris l'ascenseur hein. Il est là l'ascenseur ou pas? Ah il est là. En plus on voit rien quoi. Pourquoi je descends? C'est normal ça? Ah oui c'est normal. Mais il n'y a pas un feu de camp dans le coin ici? J'avais pas de feu de camp hein. Oh. Bah c'est pas un loot nul en vrai. C'est la version moins bien du truc qu'on a déjà. Oui mais c'est pas nul. Bah si du coup. Si on n'avait pas triché en allant chercher l'autre, on aurait été content de le trouver celui-là. On n'a pas triché. Je me souvenais où il était. J'ai déjà allé chercher. Okay. D'accord, bah ça me rassure, parce que pendant un moment j'ai cru qu'on avait triché. Ah non mais il faut pas remonter là en fait, on est où? Oh, viande séchée t'acheter.
quoi cette attaque là? C'est quoi qui nous attaque? Voilà. Je sais pas non plus. Hein. Il y a un feu de camp là devant. On est déjà venu ici. On est grave déjà venu ici. Hein. Tu vois, feu de camp. Non, mais je me suis trompé. Ah oui, je reconnais cet endroit. Oui. Du coup, faut aller où? Ah, y'a un loot là-bas où? Tombe pas, attention. T'as des trous. Ouais, je fais attention. Du coup, faut aller où? Pourquoi tu mets ton bouclier comme ça là? Pour prendre une potion. On est là-haut. Oh, ça ressemble à une arène de boss, ça. Ah, bah y'a un mec. C'est le boss. Ah non, c'est un bouclier drapé, c'est un. Oh, stylé! Il faisait pas ça l'autre. Il loot même pas le sort. Putain, fais chier. Ah, c'est par là. Il y a un loot là-bas. Pourquoi c'est moi qu'on arme l'autre qui défonce les oiseaux? Qu'est-ce que t'as réveillé là? Il y a un dragon là-bas. C'est qui fait un démon des mondes. Anciens mondes. Un balrog de Morgoth. Il est pas là l'ascenseur? Non. Du coup on peut pas descendre? Du coup c'est pas. Non, t'es lui là-bas qui fait des éclairs. Il est pas mort. Attention, éclair. T'es passé par où après hein? T'es descendu? Ah non, t'es là. Non. J'ai failli mourir, mais j'ai esquivé au dernier moment parce que j'ai dit qu'il fallait arrêter les conneries. Oh, il m'a décédé. C'est qui t'a tué? L'oiseau a un HP. Oh, c'est trop triste. Du coup, c'est le dragon là, le boss? Mais tu peux aller le tuer quand même parce qu'il nous emmène. J'aime bien comment les créatures volantes de ce jeu, c'est pas des vraies créatures volantes. C'est juste des créatures qui sont élevées pour être à une telle hauteur au-dessus du sol.
Et du coup, il y a une petite marche. Si la marche est un peu trop haute, ils peuvent pas avancer. Et tu les vois se bloquer sur un mur invisible parce que leur hitbox de déplacement, elle se déplace d'aller jusqu'au sol. C'est ridicule. Et il s'en va? Il veut pas se battre? Il est arrivé avec mon petit katana, il s'est dit oula, oula, non. Oula. Lui, c'est ce qu'il fait. C'est un weeb. Il a lu 14 tutoriels sur comment m'égorger. C'est pas intéressant, ça, t'offre pas de prendre. Si, c'est super intéressant ça. En plus, il m'en manque un pour C'est pas là. justement build une nouvelle arme. Je sais pas ce que je vais build comme nouvelle arme. Genre une arme nouvelle. Ouais, mais laquelle? Une épée d'Esto. À la base, je voulais faire le. L'arme de l'arbre. L'arme de l'arbre monde. L'arbre de l'arme-monde. L'arme de l'arbre monde. Là-bas, monde. Tout à fait. Et genre. Autant me faire une arme comme contre Mélina en fait. Plutôt qu'une arme juste random. Où est-ce que t'es parti? Mais c'est pas ça qui jump. Quoi? Mais Lina est déjà morte. Ou je confonds. Mais non, Malenia, Malenia. Ouais, elle est morte. Elle est morte parce qu'on s'est pas sacrifié à sa place. Juste un sacrifice, ça plus de jeu, donc ça va. Bah si, le jeu il continue. Hein. J'en contrôle rien. Si, tu peux juste brûler, genre t'es défiguré. Là. Oh. Il m'a défoncé lui. Ouais, ça la tue, mais nous ça nous tue. Ouais. L'ascenseur ou pas? Attends, il y a des fenêtres là. C'est bien, il y a des fenêtres. Qu'est-ce que j'en ai à branler? Qu'est-ce que tu fais? C'est pas... Je suis plein de sang. Ah, je suis dégueulasse. Une douche. Ah, comment il s'appelle ce truc? Mais quoi, la graffe? À bord du grand pont. Ah voilà, ok. C'est là qu'on veut être? Ah, du coup, on repart. Oui. Donc, c'est pas là qu'on veut être. Attends, peut-être, attends. On peut-être dépenser nos armes. Moi j'ai pas d'âme à dépenser. Une effigie de Marika ici. Ah non, je confonds avec l'autre truc. Mais c'est ici le boss en fait. Mais tu veux pas qu'on le fasse celui-là? Ça, c'est pas un boss caché, ça, c'est un boss qui est en plein milieu de... Bah let's go! Pourquoi on le fait pas? Non, ah, parce qu'on va faire le boss caché d'abord. Mais pourquoi on fait pas ça pour celui-là? Parce que celui-là il est là. Parce que celui-là, il est là, on pourra pas le rater, on est obligé de le faire. Celui qui est caché, tu vois, il est caché, il faut aller le chercher. Viens, on va faire le boss Pourquoi on est caché. obligé de le faire? Tu peux finir le jeu sans avoir buté celui-là, je suis sûr. Hein. Non, il faut aller faire le boss caché. Il est plus stylé. Mais on s'en fout qu'ils soient plus stylés, il faut tous les faire de toute façon. Non. Bien sûr, on n'est pas obligé de le faire, il est caché. Alors attends.
Je comprends pas le concept de pas faire un boss qu'on vient de trouver et d'aller en On va chercher le un faire. autre. Et pourquoi tu en le fais pas maintenant? Quel intérêt de pas le faire maintenant? Parce que ça va être long, et après on va aller au lit. Où est-ce qu'on va là? Sûr qu'il n'y a pas de boss caché, que tu vas juste m'amener devant une falaise. Tu vas me dire c'est là, il faut sauter. Je vais sauter, je vais mourir comme un con. Il n'y aura rien, il n'y aura pas de boss caché ni rien. Surtout, c'est très important de raser genre le côté gauche. Quoi? Attends, Il faut attends, raser le côté attends, gauche. attends, attends, attends. Tu attends que je sois là et je te suis. Ma gueule, là, je suis sûr que ça c'est du foutage de gueule. Et là, il faut sauter dans la tornade. Non, là, je suis de ma gueule. Non, non, c'est pas par là. Non, non, c'est pas par là. Regarde. Regarde quoi? Ben regarde en bas là. Mais je vois pas, t'es trop. Y'a rien en bas. Regarde, approche-toi, Libre. Non, tu vas me pousser. Mais non, y'a rien. Je touche ma gueule depuis le début, hein. What? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et le temps s'arrête, apparemment. Ah, tu remontes le temps? C'est pas qu'on peut remonter le temps en s'allongeant par terre. Mais non, je savais pas. On a remonté le temps, mais le bâtiment s'est toujours effondré. Bah non, du coup. Ah putain, merde. Il est tout neuf. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est dégueulasse, c'est quoi? Ah, c'est un dragon, d'accord. Ah, c'est une hydre. C'est un dragon de tête. We can still win. Est-ce qu'il y a une histoire à la con que c'est parce qu'on a remonté le temps et qu'on a buté ce fils de pute qu'il s'est passé toutes les merdes qui s'est passé ici? Y'a pas un feu Je ici? tape les choses, hein, c'est tout. Non, il faut se taper tout le bordel à chaque fois. Non. Non, non, non. Bonjour. J'espère que c'est plus facile, hein. Non, mais c'est peut-être un boss hyper late game, il faut ça en vrai. Non, ça va. Ils vont l'endormir, t'inquiète pas.
En temps, il vient de se réveiller. Peut-être dans le cul. À toi. Alors, je me crois pas pourquoi on m'a changé de faire tout seul. Si, si. Enfin, si. Il manque déjà une tête. Putain, j'avoue. Voire même deux. Il en aura 5. Il manque toutes ses têtes. Il s'est déjà fait péter la gueule. Mais du coup, on a des commandes, il s'est déjà fait péter la gueule. Oh putain! J'y crois pas trop, hein, mais je suis à fond. Si tu le one shot en faisant ça. Ah, en fait non. Je tiens à remarquer qu'il n'a pas pris de. Il ne prend pas de dégâts de putréfaction apparemment. Bon, maintenant c'est 23h40. Donc si tu veux, on peut aller voir l'autre boss que tu voulais voir. Comme ça, on aura tout vu. Et puis demain, on aura 3 boss à qui péter la gueule. 3 boss. Bah, les deux, là, et Malenia. Ok, d'accord. Et l'autre, on va le défoncer. On peut. Mais on respawn vraiment à chaque fois au feu de camp, il faut tout retaper, là. Oui. Oh putain, mais c'est de la merde. Pourquoi ils ont fait ça? Et pourquoi pas? Et du coup, on est où, là? Bah, qu'est-ce que tu fais? Ah, mais je suis pas... Je t'ai vu sortir de ta tête et puis t'es rentré. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Mais tu vois, t'es parti trop vite, du coup j'ai été paumé. Mais tu savais où était le boss, tu l'as vu tout à l'heure. Mais non, mais je croyais que j'avais pas respawn au bon feu de camp. Mais non, je l'avais pas vu tout à l'heure, j'ai dit c'est par là et tu m'as dit oui. Mais je l'ai pas vu. Mais c'est qui lui? C'est pas un boss lui ça. Ah. Faut lui courir à côté. Non, faut lui péter la gueule. Il m'a volé mon arme. Oh, il est solide. Oh, il est solide. Comment ça va? Non, il est pas solide. Ils ont les gens à prendre des dégâts de pétrification, de pourriture, de merde. Oh putain! Oh! Mais tu voulais pas qu'on le bute, hein? C'est pas enculé, hein? C'est dégueulasse, c'est moche. Mais c'est l'armure qui va avec mon arme et mon bouclier? Oh seigneur. Allez. C'est-à-dire que j'ai failli rater ça parce que tu voulais pas le buter. Incroyable, incroyable. Ah mais c'est le bête, c'est la bête là. Ah, il y avait un trou là. Je suis oublié. Tout ça, il est pas très solide. Mais c'est le... Non mais c'est en vrai, c'est le mec là qui est dans le temple. Ou bien... Ouais, il est mort de fleurs. C'est lui ou c'est pas lui? Ah, il y a un trou là. Oui, il y a un trou. C'est lui ou c'est juste un mec qui lui ressemble? J'ai pas écouté le scénario du jeu, on m'a juste tué les gens. D'accord. C'est toi qui regardes les vidéos de lore. Si, ils en parlent pas. C'est les vidéos que j'ai regardées, ils m'ont jamais donné cette réponse.
C'était il y a genre longtemps. Le jeu est sorti il y a 6 ans quand même. Je sais pas ce que. Il est sorti quand en vrai ce jeu? Il y a un an et demi, je dirais. 2022? Non, ça fait plus longtemps que ça. C'est un an d'écart avec Armored Core 6 et Armored Core 6 TCD. Putain. Je pensais que ça faisait beaucoup plus longtemps qu'il était sorti. Il est sorti, je crois, quand j'ai commencé la glanerie. C'est bien un an et demi. Hey, let's go. Et moi je suis pas tombé dedans. Non, j'ai été poussé dedans. Ouais. Oh, je suis What? mort, à toi. Ah, j'ai eu peur, je crois que c'était moi qui étais mort. Bientôt, Ah, bientôt. il y a donc une phase 2. On dirait un chien. Tu trouves pas qu'il ressemble à un chien comme ça? T'es dans une cinématique là? Oui? Ah, moi je l'ai pas. Vous êtes juste tout freeze là. Planter un couteau dans la main. C'est rien ça. Ah non, il va faire des dégâts de saignement. Ah, je déteste ça. Ah, c'est un limier? Ah ouh! C'est un limier? C'est le roi des lumières. Et il est hyper gentil quand même. Ah, moi c'est bugué, je le vois pas. Non mais je me perds contre rien. Vas-y. Tape-le. Qu'est-ce qui s'est passé là par contre là? Pourquoi j'ai une barre de vie qui grise maintenant? Trempe devant Malikette. Mais est-ce que Pourquoi j'ai tu parles de Kékette? parce qu'il s'appelle Malikette. Du coup je veux Malikette. Malikette de lait. Est-ce que genre il fait des dégâts à la santé max? Parce que j'avais un morceau de gris, tout gris. C'est un peu la surprise. Pourquoi ils ont pas fait une... Pourquoi ils ont pas mis une effigie là-haut? Ça sert à quoi de nous faire marcher 50 mètres? C'est pour punir les mecs qui font pas le poney. Comme ça, chaque fois qu'ils passent là, ils sont obligés d'esquiver le poney. Le casque, tu peux éviter, hein, mais le reste, ça va. Tu peux enlever le casque, hein, c'est très moche. Je peux pas mettre les jambières qui vont avec parce qu'elles sont moins bien que celles que j'ai déjà. Les jambières, le torse, ça va. C'est la tête, faut pas, hein. C'était une erreur. Hein. J'ai un petit dragon bébé sur la tête. Oh putain, mais il est déjà là! Il nous arrache, cet enculé!
c'était incroyable. Hein. Et, je suis plus opérationnel, là, c'est minuit moins 11. Deuxième phase, il bouge beaucoup, mais t'as la cinématique là, du coup quoi. Je peux pas passer à la cinématique. Essaye de passer à la cinématique. J'ai pas de cinématique. Oui, mais essaye de la passer quand même. Ça marche pas. Non, mais ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas être mort, je dois me taper la cinématique. Oui. Il continue à prendre des dégâts. De quoi? De plus sur faction, je suppose. Putain, stylé. Pendant la cinématique. Ah, bah tant mieux. Hein. Qu'est-ce qui se passe s'il meurt pendant la cinématique? Là, il meurt. Il juste apparaît à la fin de la cinématique et il est déjà mort. Ouais. Il est stylé quand même. J'aime bien son armure. Putain, il a pris tellement de dégâts. Je la veux. Elle est où mon ad? Ah, mes âmes. Elle est là. Là, il est encore là. Oh putain, j'ai pris cher. Non, je veux pas mourir, je veux pas mourir, je veux pas mourir. On est si proche du but. En vrai, j'ai juste besoin de battre un autre, et de ensuite de me casser. Je pense qu'il meurt du autre. Hein. Laisse-moi régène, c'est ce que je te demande. Esquive! Esquive! Mais... T'es en train avec Melina, toi, non? J'étais derrière! Aïe aïe aïe. J'étais derrière le poteau! Non, j'étais si proche, si proche. En vrai, tu meurs pas et on le fait facilement. Bah, c'est compliqué de pas mourir. C'est sûr qu'il faut rester vivant. Ouais. Je devrais prendre une rune arcanique, ou je sais plus comment ça s'appelle, un arcane, je sais plus comment ça s'appelle. Un truc qui donne plus de PV quand t'as la rune de machin. Qu'est-ce que t'as fait? Est-ce que t'as fait ce que je t'ai dit? Putain, t'as fait ce que je t'ai dit. Still win. On peut gagner assez facilement, hein, il suffit que tu meurs pas trop. Aïe. Il attaque vite, il vient vite, il vient vite. Je suis désolé mais il vient vite quand même. Reste pas là. Faut éliminer du bord parce que sinon on va tomber comme des cons quand ils nous attaquent. Mais il lance du sable. Derrière toi. Allez, phase 2. Oh, je vais peut-être avoir la cinématique. Oh, la cinématique. Oh, et du coup, tu peux la passer. Mais du coup, t'as passé la cinématique, il a pas pris de dégâts de... dans la cinématique. Allez, à toi.
Parce que d'habitude dans la strat, tu dois mettre un dot avant la cinématique pour qu'il prenne le dot tout le long de la cinématique. Ouais. C'était pas une strat, c'est juste ce qui s'est passé juste avant. C'est la strat officielle. Je suis mort. Pourquoi t'es mort? Parce que j'ai échoué. Il a pris trop de dégâts. En gros, tu passes pas la cinématique, il a 3000 HP de moins à la fin de la cinématique. Hein. Bon bah faisons la même chose sans passer à la cinématique alors. Quoi? J'ai dit... Ok d'accord. Allez, dernier essai. Non, pas dernier essai. Dernier essai, après on va Zodi. Non, il est pas encore minuit. C'est vrai. T'es déjà dans la clinique ? Non. Mais ça se voit, quand t'es ton pseudo, ça se voit que t'en es utilisé un. Bah, c'est dommage parce que je n'ai pas utilisé un. Bah, c'est bugué alors. Pourquoi tu fais pas une copie de toi? Parce que c'est moins fort. La copie de toi elle est plus forte que ce mec là. Hein. Ah je suis mort. Ah j'aurais dû prendre un arc unique. Vas-y tu le du coup. Tape. Tu peux toujours pas passer à la cinématique? Non. Oh bah. Au moins il prendra des dégâts parce que je l'ai doté avant la cinématique. Ouais, il prend des dégâts. 4500, 4600, 4700. Il est à combien là? 5000. Sept mille. Ouais. Ça reprend dans quelques secondes, attention. 8000. Ah, il prend 4000 de dégâts quoi. 4000 de dégâts pour les cinématiques. Allez, tue-le. J'aimerais bien qu'on aide le dot. Faut le tuer pour qu'il meure. La est morte et il est pas empoisonné, ça va mal. Empoisonne-le jusqu'à ce qu'il meurt. Ah mais il fait ça deux fois là. Empoisonne-le et il redéclenche le cinématique. Je suis mort de quoi? Ah bah je sais pas, je vais prendre des dégâts. Je suis mort de décès. Allez, encore deux essais. Il est mort de sa propre connerie. Non, en vrai, c'est pas de quoi je suis mort. Si je suis mort de mon chapeau. Si je suis mort d'un dot, c'est pas affiché à mon écran que j'avais un dot. Hein, donc. T'as peut-être lancé une fléchette. J'ai pas vu de fléchette. Hein. Peut-être une fléchette invisible. Malade. Ouais, un cancer. Ouais. Ou la chiasse. Ouais.
Je voulais dire barbouillé, mais je trouvais plus le mot. Genre, t'étais un peu barbouillé et pas me démarre. T'es obligé de mettre cette armure? Oui. Je crois que tu l'as kiffé. Ah, le casque. J'ai peut-être pu enlever les potions de sommeil à mon âge. Attention, hein. Il va bientôt y avoir la deuxième phase du boss, hein. Il est encore vivant. Oh merde. Je peux se passer la cinématique alors. Bah, tu peux passer à la cinématique. Hein. Alors, si je suis solo, j'ai besoin de toute l'aide que je peux, mais si je suis pas solo, normalement, je fais largement plus de 3000 points de dégâts. Hein. Oh GG. Mais si t'es solo, t'as pas d'aide. Bah si. Genre j'ai l'aide du glitch du boss qui prend des dégâts dans la cinématique parce qu'il est doté. Ah. Vraiment une aide. Bah si c'est que. C'est 4000 PV sur le boss quoi. Gratuitement. Mais oui mais il met un dot ce fils de pute. On voit lui des fléchettes. Mais putain, putain. Il va tous me buter. Hein. Nice. Ouais, c'est son objectif. Il va mourir du poisson qui n'existe pas. Mais bien joué champion. C'est grâce au casque. Stupide sans éclat. Pourquoi cherches-tu la mort destinée? Que désires-tu, Auxir? Bah lui. Très clairement. GG. Cinématique, oh cinématique, qu'est-ce qui se passe? Ça faisait... Un dot. Mais genre, lui, il faut le buter pour finir le jeu? Oui. D'accord. On pourra plus jamais aller au dragon stylé de terre. Pourquoi? Non, j'ai menti, on peut y aller. D'accord. Pourquoi un crucifix là? Mais je sais pas. Il est pixelisé oh, en plus. Putain, il est moche. Ça aurait pu faire un truc en HD. Il est quand même. Super moche. Bah, ça leur coûtait quoi de faire un truc en HD là quand même? Bah, j'avoue que là ça craignait un peu. Ouais. Et ça, c'est Game of the Year. Mais c'est Game of the Year. On dit plus de Gotti. Game of the Year, ça sonne mal. Alors que Gotti. Jeu de l'année. And the lands between are shrouded by death's dark fate. But the flames will also burn. Oui, il fait chaud ces temps-ci, non? Qu'en pensez-vous? Oh oui, Gaspard, t'as raison, c'est vrai que là, il y a des braises qui pleuvent. Oh, bah dis donc, Gaspard, le ciel est rouge. On l'avait pas déjà brûlé, l'arbre? Si, mais là, tu vois, c'est vraiment brûlé. Il fallait tuer lui pour que ça soit vraiment brûlé? J'en sais rien moi, qu'est-ce que je sais? Demande à la vidéo de l'ordre. Ça n'a toujours aucun sens de l'ordre de ces jeux-là de toute façon. Ah si, ça a beaucoup de sens, c'est juste qu'il le présente mal. Parce qu'il le présente pas en fait. Ça a du sens mais il faut lire le wiki. Le scénario du jeu est dans le wiki. Non, je trouve que celui-là, c'est quand même. Il... Tu sais ce que tu fais, tu sais pourquoi tu le fais. Ouais, Sekiro était moins cryptique aussi. Le problème de Sekiro, c'est que c'était en japonais. C'est un autre genre de cryptique. Disons que tu maîtrises pas la langue, quoi. En fait, t'as pensé à apprendre la langue. Ça, tu comprends, quoi. Là, t'apprends pas toute une langue pour jouer à un jeu vidéo, quoi. J'aurais dû apprendre le japonais avant de jouer à Sekiro, c'est vrai, il a raison.
Ah, y a des gens qui font chier. Ah, il a l'arbre brûle là quand même. Hein. Attends, on va pisser dessus pour l'éteindre. Ah, je sais pas si je peux pisser aussi haut. Hein. Tu critiques, mais c'est ça la bonne fin du jeu. Non, non, c'est pas ça. Genre, c'est littéralement ça. Il faudrait qu'un grand entonnoir, on prend genre tous les 100 éclats de la terre, et on pisse tout dans l'entonnoir au-dessus de l'arbre. Il n'y a pas de bonne fin du jeu. Ça fait beaucoup de fumée, un peu verdâtre. Je sais pas quoi level up. Je sais pas quoi level up. C'est quoi un des armes du coup? Bah l'intelligence. Pourquoi faire? Pour être moins con. Ça compte t'es... Ah non, ça compte que dalle. Ah, ça compte mes dégâts l'intelligence. C'est 4 points. Let's go. En fait non, pas let's go. On continue ou on s'arrête là? Ah, on finit le jeu là. Ah, ok, d'accord, let's go. On a changé d'avis en volant en fait. Ah. Dommage. Mais t'es pas loin de finir le jeu, hein. C'est juste que t'as changé d'avis quoi. Ouais. Attends, demain on va lancer le jeu. On va courir par là 5 minutes, on va tuer un boss et c'est pour on a fini le jeu. Je te crois pas. Non, d'abord il fallait tuer ma ligne. Ah oui, c'est vrai.